m'appelle Anthony Tingo, je suis un nouveau Bécomois d'origine française et je vous invite à voyager dans le temps avec moi pour découvrir l'histoire de Bécomo à travers ses rues. Nous arpenterons les deux secteurs de la ville pour essayer de vous apprendre les secrets qui se cachent derrière les pancartes. Pour cela, je serai accompagné de Marie-Josée Biron, professeure d'histoire au cégep de Bécomo, qui sera notre guide durant cette promenade historique. Au passage, nous avons discuté avec des résidents afin d'en savoir plus sur leur point de vue, leur expérience personnelle et surtout pour qu'ils nous racontent leur rue. Aujourd'hui, on va tenter d'en apprendre davantage sur l'impact que Mgr Labrie a eu sur la ville de Bécomo et surtout sur les ambitions qu'il a nourries pour celle-ci. Grâce à Marie-Josée Biron, on essaiera d'éclaircir un petit secret qui entourerait la fuite de Mgr Labrie de Bécomo. Je vous demande donc de me suivre sur la rue Labrie pour découvrir tout ça. Alors bonjour Marie-Josée. Bonjour Anthony. Donc aujourd'hui on est sur la rue Labrie. Je sais que c'est un ecclésiastique, mais est-ce que tu peux m'en dire plus sur lui? Oui, Napoléon Alexandre Labrie est né à Godbout en 1893. C'était le neveu de Napoléon Alexandre Comeau. D'accord. Donc c'est drôle parce qu'il a aussi le nom des deux frères que Napoléon Alexandre Comeau a sauvé des eaux, non? Exact. Napoléon Alexandre Labrie était le neveu des frères Labrie que Napoléon Alexandre Comeau et son frère Isaïe ont sauvé des eaux glaciales. Tes sources sont bonnes. Napoléon Alexandre Labrie aussi était évêque de Sica, puis il a d'abord dirigé le diocèse de Bécomo. Ce qui est important à savoir, c'est que Napoléon Alexandre Labrie était très contrôlant, très dirigeant. Alors, il interdisait les soirées dansante, à l'exception des soirées de charité. Puis, même chose pour l'alcool, l'alcool était prohibé. Alors, c'était un homme très pieux. Oui, je vois ça. Mais est-ce qu'il a passé toute sa vie à Bécomo? Non. Les raisons qui font que Napoléon Alexandre Labrie ont quitté Bécomo sont très obscures. Il paraîtrait en premier lieu qu'il y aurait eu un gros désaccord entre le colonel et Mgr Labrie, mais en réalité, la cause la plus plausible, c'est que le colonel aurait vendu une grande portion de terrain au gouvernement et que le gouvernement l'aurait revendu à Mgr Labrie pour 1 $ symbolique. Alors, il faut mentionner que Duplessis était un ami proche de Mgr Labrie. Alors, pour le remercier, justement, Duplessis va nommer une ville à son nom, soit Labrieville. Ça se situe où, ça, Labrieville? Labrieville, c'est tout près de Forestville. Puis, ça servait à loger les travailleurs de la construction pour Berzémis 1 et Berzémis 2. D'accord, mais qu'est-ce que le Mgr Labrie voulait faire de ce grand territoire-là? La raison première pourquoi Mgr Labrie s'installe à Haute-Rive, c'est parce qu'il voulait créer une usine à curé. Alors, si vous remarquez, maintenant c'est le cégep, mais avec l'église, l'évêché, le diocèse, tout était à proximité. Alors, ce que voulait Mgr Labrie, c'était que les futurs curés puissent faire leur formation complète de A à Z à Bécomo, sans avoir à quitter pour Québec ou Rimouski. Donc, on pourrait quand même supposer que là, Mgr Labrie, il a terminé sa carrière et sa vie à Haute-Rive, non? Non, coup de théâtre! En 1956, il paraîtrait qu'un des neveux de Mgr Labrie ait tué une jeune fille de 14 ans pour ensuite se donner la mort.
Donc, c'est lors d'un cours de chorale que Mgr Labrie est parti en douce sans prévenir personne. Il n'est jamais revenu sur la Côte-Nord, même pas lorsque Hauterive lui a rendu hommage. Ah, d'accord, c'est quand même une drôle d'histoire, on peut le dire. Mais est-ce qu'il s'est démarqué dans autre chose que la religion et ce désir pour Hauterive? Oui, Mgr Labrie a écrit plusieurs articles sur la manière d'exploiter les forêts et les mines. Aussi, la manière pour gérer des conflits sociaux, des problèmes sociaux. C'est des sujets qui sont encore d'actualité, qui pourraient être traités lors de conversations ou d'études. Puis, ces articles ont paru dans des magazines américains. OK. Donc, j'aurais juste une petite dernière question pour toi. Est-ce que tu peux me dire quand il est mort et où? Mgr Labrie est décédé en 1973 à Québec, dans la maison des Eudistes. Les Eudistes, c'est une congrégation religieuse qui voue un culte à Saint-Jean-Eudes, qui est le saint des causes désespérées. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Merci, Marie-Josée. De rien. Bonjour, Bruno. Salut. Merci de bien vouloir nous parler. Donc, toi, si j'ai bien compris, tu vis ici depuis beaucoup de temps, sur cette rue-là, la rue Labrie. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ben moi, j'ai vécu toute mon enfance sur Labrie. En commençant, quand j'avais 8-10 ans, on a déménagé ici. Puis, c'est une rue qui est extraordinaire. On est à côté des écoles. On va à l'école à pied, malheureusement. Il a fallu se geler un petit peu pour aller à l'école, au cégep, au secondaire, primaire. Mais non, c'est une super de belle rue. Comme je dis, on a vécu notre enfance ici. On a joué les parties de hockey jusqu'à les guerres dans les forts. La rue Labrie contre la rue de la Falaise. Puis là, présentement, mais je suis revenu en région. Je me suis acheté une maison sur la rue Labrie pour élever ma famille. Puis comme je t'expliquais au début, c'est vraiment le fun. Le bois est à côté. La rivière Manicouagan, on se promène. Après l'heure du souper, ça prend 2 minutes. On est sur le bord de la rivière. On tire des roches avec les enfants. Puis on s'amuse. C'est un beau petit coin, là, tranquille, paisible. On est comme d'un petit microclimat en bas de la falaise. Ça nous permet de ne pas trop avoir de vent. Puis profiter de la nature. Est-ce que tu l'as vu évoluer, cette rue-là? Est-ce qu'elle a changé depuis que toi, tu vis dessus? Oui, bien, c'est sûr que quand on est arrivé, la rue était en rénovation. Il y avait des travaux d'excavation pour changer tout le système de drainage puis les aqueducs. Donc, je me suis amusé en masse avec mes petits camions, mes autos téléguidées dans le sable. Puis là, on est rendu avec une super de belle rue, toute asphaltée neuve, qui a déjà quand même une bonne quinzaine d'années, mais pas trop de trafic. Ça fait qu'on a vu la rue évoluer, les maisons, le changement des maisons. Puis aussi au niveau des personnes, on voit que les nouvelles familles commencent à arriver. Ça fait que les jeunes enfants recommencent à se promener en vélo. Ça fait que la rue a vieilli, mais on voit vraiment que présentement, elle commence à rajeunir avec nos enfants. Et pour finir, est-ce que tu peux nous dire ce que tu sais sur Mgr Labrie, justement? Ben moi, je sais pas grand-chose sur Mgr Labrie, ça c'est sûr et certain. Ça fait que tu passeras un autre appel. Bonjour, Monsieur Dauteuil. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Je suis venu vous voir pour qu'on essaie de parler un peu de la rue Labrie et que vous nous disiez ce que vous en savez, comment elle a évolué, ce que vous savez un peu sur, sur Mgr Labrie, évidemment, etc. Bon, en fait, la rue Labrie, ce que je me rappelle, les premières constructions ont été faites en 1961. Mgr Napoléon Alexandre Labrie, qui a été le premier évêque du Golfe Saint-Laurent, qu'on appelait dans le temps. Son évêché était au départ au Havre-Saint-Pierre. D'accord. On a déménagé le siège épiscopal en 1948 à Baie-Comeau, okay, parce que Hauterive n'existait pas dans le temps. Et en 1949-50, Mgr Labrie, qui demeurait à Baie-Comeau, a voulu avoir du terrain de la compagnie Québec Nautre, qui était maître de la ville. D'accord. Avoir du terrain pour bâtir son évêché, pour bâtir un séminaire pour les garçons, puis une école normale pour les filles. Parce que là, les écoles mixtes dans le temps, là, c'était pas trop à la mode. Alors, pour parler québécois, la chicane a pris entre le maire de Baie-Comeau, qui était un haut dirigeant de la compagnie Québec-Nautre, M. Soule,
avec Monseigneur Labrie, qui, dans le fond, on ne pouvait pas là, faire subsister deux rois dans le même royaume. D'accord. Alors, Monseigneur Labrie a refusé d'accepter l'offre de Soule, de M. Soule, parce qu'il dit que ce n'est pas suffisant comme terrain pour bâtir ce que je veux bâtir. Alors, Monseigneur Labrie a dit, moi, je reste plus ici. Je sais où il y a des terrains, puis je vais aller bâtir ce que je veux bâtir là. Les terrains, en fait, Monseigneur Labrie est né à Godbout, sur la Côte-Nord. D'accord. Et il avait étudié ce qu'on appelle au vieux poste ici, là, où est l'oasis des pionniers actuellement. Il y avait là des religieuses qui étaient là, et il enseignait le latin, il enseignait le français, il enseignait. Et Monseigneur Labrie, le jeune Labrie, était venu étudier là. Il se souvenait aussi qu'il y avait un plateau de terrain qui pouvait être intéressant. Alors, il a fait les démarches auprès du ministère. Et Bécomo n'était pas très... était plutôt hostile à admettre des gens qui n'étaient pas des gens du moulin, de l'usine. D'accord. Il y avait des gens qui travaillaient en forêt, mais Bécomo était plus ou moins attiré par cette clientèle-là. Et il n'y avait pas de loyer. Alors, les gens travaillaient à Québec-Nord-Chaux dans les chantiers forestiers, mais ils demeuraient sur la côte sud. La famille était sur la côte sud. Alors, Labrie, il a vu, il savait le manque de logement qu'il y avait à Bécomo. Et là, le fait qu'il n'y avait pas pu avoir de terrain pour bâtir ce qu'il devait bâtir, a eu en cadeau le plateau. Alors, Monseigneur Labrie, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a proposé, et ça peut s'appeler Haute-Rive, bon, le rive qui est assez élevé ici. Là. Alors, Monseigneur Labrie, lui, il a bâti l'évêché. Après ça, il a supervisé la construction du séminaire, la construction de l'hôpital. Il a fait venir des congrégations religieuses. Oui. Sainte-Croix, les Ursulines dans le coin, dans le secteur Marquette qui était Bécomo dans le temps, il y avait aussi des religieuses. Alors, Labrie, c'est ça. C'était sa vie, ici, de 48 jusqu'à 50 à Bécomo et de 50 à 56 à Autry. Il est mort, je pense, en 73. Les restes de Monseigneur Labrie ont été déménagés ici. Ils ont rapatrié sa dépouille ici en 73. Il est mort en 73. La dépouille a dû être rapatriée dans les années 90, je pense. Ah, OK, c'est comme tard, ouais. Ouais.